just going home. I'm a late, late show. No one to meet me at home. Yo la mif, retour dans le passé. Bon, je suis dans la chambre de ma sœur, donc mon ancienne chambre. Aujourd'hui on est lundi, je me suis fait un petit café, voilà. Et j'avais envie de vous faire un weekly vlog où je vous montre un peu comment je m'organise pendant la semaine. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre parce que je pense que je vais juste vous montrer en image. J'ai quelques questions à vous poser, donc si vous voulez bien me dire tout ça en commentaire. Par rapport au weekly vlog, est-ce que vous préférez des weekly vlogs longs, plus de 10 minutes, ou courts, moins de 10 minutes? Personnellement, moi j'aime bien les deux styles. J'ai tendance à faire plutôt des weekly vlogs assez courts, où je coupe vraiment ce dont je parle, enfin, pour pas que ce soit trop long. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient les longs weekly vlogs aussi, donc dites-moi, vraiment, enfin, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et sinon je crois que c'est tout, j'ai hâte d'être en automne, voilà, parce que là il fait super beau, c'est cool, mais j'aime trop le mood de l'automne, les vidéos sur l'automne, en vrai j'adore ça, mais bon il fait tellement beau, il n'y a pas du tout de feuilles rouges ou quoi, donc voilà. Hey, donc alors pour vous faire une petite mise à jour, il est 20h, je fais une petite séance de sport, et juste avant j'ai fait du code, donc j'ai fait une séance et j'ai eu 21 fautes sur 40. Voilà, oui, c'est toujours de la merde. Mais bon, là on va faire un peu de sport et puis après je vais ranger vite ma chambre, mais elle est déjà rangée pour une fois. Je vais pas trop vous la montrer parce que je vous la montrerai vraiment dans un room tour. Re. Alors, je vais vous montrer comment je suis sapée parce qu'en ce moment il fait tellement chaud à Rouen. C'est archi simple, mais je porte un t-shirt blanc basique noué et une jupe bouhou, trop belle. Et un collant aussi parce que j'aime pas trop mes jambes. Voilà. Hi! Donc je vous retrouve un peu plus tard. Il doit être 19h. Aujourd'hui, je suis allée au lycée et je vais vous expliquer un peu comment je m'organise au niveau des cours. Je vais peut-être vous poser parce que flemme de rester comme ça. En ce moment, j'ai pas énormément de devoirs. C'est assez bizarre, je pense que tout va nous tomber d'un coup dessus. Mais à part mes cartes en géo, oui parce que j'ai une nouvelle carte en géo. Mais je l'ai faite en avance, voilà, parce que la dernière fois je fais 5 sur 10. Voilà. Et en fait en début de semaine, souvent, je fais mon montage du mercredi. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai mis ma vidéo en ligne, donc je crash teste le permis. Et après, vers la fin de semaine, vers le week-end, je bosse plus, on va dire, tout ce qui est devoir. Donc demain, j'ai juste audiovisuel, en dernière, enfin 4h l'après-midi. Donc je vais me réveiller plus tôt et je vais essayer de filmer ma FAQ et une autre vidéo que vous verrez. Ensuite, on va passer à un truc que je fais souvent, t'as le droit de rester. C'est la vaisselle, voilà, c'est obligé. Dans ma chambre, j'ai une sorte de mini cuisine, juste pour ma machine à café avec un robinet pour pas réveiller toute ma famille le matin quand je prends mon petit déj. Donc voilà. Winter came, made it so look alive.
J'espère que vous allez bien. Donc moi, on est aujourd'hui, on est jeudi. Alors, pour vous expliquer, hier soir, je suis allée voir pour faire un babysitting en fait. Et donc ce soir, j'y retourne. Et demain soir aussi, donc des babysitting d'affilée. Mais c'est cool, franchement, ça va être vraiment bien, je pense. Mais c'est sur un bébé. Ça va être plus chaud que d'habitude. Et sinon, donc, en fait, je vous ai peut-être dit, mais genre oui, j'ai une autre carte à faire en histoire et je m'étais avancée parce que j'étais carrément pas satisfaite. Je vais vous montrer. Donc mes potes m'ont fait gentiment comprendre que ma carte était moche. Alors je vous montre. Donc première carte était comme ça. Voilà. En vrai ça passe, mais c'était pas hyper clair. Et ma deuxième carte que j'ai déjà finie est comme ça. Donc vu comme ça en fait vous voyez peut-être pas, mais voilà. Il y en a une qui est plus remplie que l'autre. Hein. Voilà, bref. Donc, ça va me rajouter un peu des devoirs, mais c'est pas très grave. Ensuite, je dois finir quelques devoirs. J'ai un petit agenda. Comme je vous avais dit, en fait, mon agenda, elle, il est parfait. Vraiment. Oula, merde. Il est ouf. Donc, comme ça. Voilà, voilà. Et, en fait, ce qui est bien, c'est que je peux avoir une vue d'ensemble. Donc, par exemple, là j'ai une vue d'ensemble sur toute ma semaine et franchement j'ai assez de place pour écrire donc c'est cool. Et vraiment me fixer des objectifs comme ça, ça m'empêche de procrastiner. Ouais, j'aime trop ce mot. Il faut savoir un truc aussi, c'est que je suis bloquée à 22h d'internet. Alors pour beaucoup ça va paraître hyper chiant, mais moi je suis habituée, ça fait des années que c'est comme ça. Et en soi, ah oui, et j'ai que 50 mots donc je peux pas être sur internet autrement. Mais je trouve ça cool dans mon sens parce que ça me permet vraiment de me concentrer sur autre chose, de lire un livre. Donc là je suis en train de relire Harry Potter. Et voilà, de pas être tout le temps sur mon téléphone le soir. Et ça c'est vraiment cool. Donc je vais finir mon travail. Enfin je vais mettre une tenue un peu plus voilà quoi, pour un babysitting. Surtout si le petit me vomit dessus. Et yes. Voilà Mif, donc là je suis actuellement crevée. J'ai gardé un bébé de 4 mois pendant 1 heure. Et déjà 1 heure c'était archi chaud. Et je me suis fait vomir dessus. Et après franchement c'est cool. Genre en fait j'aime bien les babysitting. Mais enfin c'est cool quand t'as rien à faire. Mais en même temps je trouve, je me sens un peu coupable d'être payée à rien faire. Et donc là au moins je me dis, enfin vraiment, c'est une bonne expérience. Et puis je trouve ça trop mignon les bébés. Voilà. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on est samedi. Ce matin je suis allée en cours, là, oula, cet après-midi je suis allée au scout et en fait là il est 19h16 donc ce soir je garde des enfants mais chez moi et avec ma soeur. Il faut que je fasse du sport parce que c'est vraiment l'objectif que j'ai pas trop tenu cette semaine. Et pour vous tenir au courant, pour mon code hier je suis trop contente, j'ai fait 26 sur 40, alors c'est nul mais c'est mieux que d'habitude. Et là je suis en train de prévoir en fait ma vidéo pour demain. Alors en fait, je vais essayer de filmer une morning routine, mais de l'automne. Et j'ai vraiment envie que cette vidéo elle soit pas artistique non plus parce que je trouve que c'est un peu genre dur. Enfin, je suis pas du tout une artiste et je sais pas, pour moi, une artiste c'est vraiment quelqu'un de très talentueux. Mais juste qu'elle soit peut-être plus belle. Donc, par exemple, je prévois le matériel dont j'ai besoin, les musiques, vite fait les plans. J'ai prévu un filtre que je vais utiliser sur ma vidéo. Enfin, bref, j'essaie de tout prévoir. I was with, it was just another wave of a miracle, but no one was finished off. We go for the killing. If they called on the sun. Un peu comme là, on est plus de 60 pour Jimmy, je me suis dit, je peux pas. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche. Je vous retrouve tous les jours ici parce que vous êtes posé sur une canette de coca. Voilà. Aujourd'hui je suis, alors ce matin j'ai filmé une morning routine. Ensuite je suis allée manger chez mes grands-parents. Je suis allée voir le film, comment ça s'appelle, Première année. Franchement j'aime bien. Après je pense que c'est bien, enfin c'est encore mieux si tu as vécu ça ou si tu as vécu les concours difficiles et tout. Et donc en fait je suis en train de regarder ma petite to-do list. Ah oui, il faut que j'aille dans mon linge aussi. Et voilà, j'ai à peu près fait ce que je voulais. Il faut juste que je fasse encore des séries de codes.
et peut-être un peu de sport aujourd'hui parce que là c'est la cata, c'est vraiment l'objectif que j'arrive pas à tenir. Et je suis en train de réviser les maths. Cette semaine je commence à avoir pas mal de contrôles, donc voilà. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai eu 7 sur 10 à ma carte. Je suis un peu dépitée vu le temps que j'ai passé, mais bon, c'est pas très très grave. Donc je vais étendre mon linge, je vous emmène avec moi. Il fait un peu frisqué. Je mets mes chaussons. Et sinon, truc de ouf, demain il y a la reine de Norvège qui vient dans mon lycée. Tous mes potes vont la voir sauf moi, parce qu'on n'est pas dans la même classe d'oro. Dépité. Mais moi je commence à 10h donc ça va. Hein ? T'as des conseils, genre comment être productif ? Donne-nous tes conseils de femme organisée. Donc voilà, j'allais dire désolée pour ma tête de cul mais vous me verrez pas. Et donc déjà, attention, nos portables pour être productif, des listes. La to-do list est votre ami. Et it's true. Et les respecter. Et faire des plannings aussi avec les trucs que vous écrivez et tout. Et en fait, j'ai déjà donné tous ces conseils. Tu suis juste les conseils de ma chaîne. T'as zéro personnalité. Ah ouais, c'est ça. Pour le sport, toi. Parce qu'en ce moment, je disais que moi, le sport et moi, c'est un peu. Bon, elle est très sportive et vas-y, donne-nous tes conseils pour atteindre tes objectifs. Pour faire du sport tous les jours, je me dis. Enfin, vraiment, je prends un espèce de planning et je mets une petite croix dès que je le fais. Comme ça, et s'il n'y a pas de croix, c'est pas que ça me stresse, mais c'est pas satisfaisant. Ouais, voilà, ça me déçoit. Je me dis, oh putain, j'aurais dû y aller et tout. Et quand c'est 10 minutes, franchement, c'est pas. Voilà, et aussi, je fais un truc. En fait, c'est un planning sur tout le mois. Et en fait, je colorie, mais je fais ça pour en fait plein de trucs. C'est un truc de bullet journal, tu sais. Attends, je vais te montrer. Si personnaliser vos to-do list et tout, perso, moi c'est ma pote Clémence, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, que j'ai rencontrée grâce à YouTube, qui m'envoie les siens parce qu'elle est trop forte et que moi je suis trop nulle. Mais voilà, vous pouvez en trouver plein sur Pinterest. Oui! En fait, on est des vaches, on nous appelle avec des cloches. Donc dès que ça cloche, il faut descendre en bas en fait, tu sais, c'est l'organisation familiale. Bref. Coucou tout le monde, donc j'ai oublié de finir le vlog hier, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce weekly vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment vous essayez d'être productif, si vous y arrivez, si vous y arrivez pas, genre pourquoi vous pensez que vous y arrivez pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, voilà, ça peut être cool. Et bye la mif.